Merlin, le petit chien magique, avec vous il va jouer. Comme il porte un collier magique, son vœu va se réaliser. Émile et Monsieur Legrand sont très occupés avec les préparatifs de la grande fête des flots bleus. Émile, j'ai presque terminé, dit Monsieur Legrand. On va bientôt pouvoir faire une petite pause pour prendre le thé. Je dois dire qu'un bon thé me fera le plus grand bien, répond Émile. Ces préparatifs sont très fatigants. Bonjour, Monsieur Moreau. Vous tombez à pic, dit Monsieur Legrand. Je me suis dit que vous aviez bien mérité une tasse de thé après tout ce que vous avez fait. Je n'en reviens pas. Vous avez vraiment très bien travaillé. Grâce à vous, les flots bleus ont vraiment un air de fête. Oui, si tout continue à bien aller, on devrait être fin prêt pour demain. Et d'après la météo, il fera beau. Bonjour tout le monde, dit Mademoiselle Roseau. En emmenant Kiwi faire sa promenade, j'ai été émerveillée de voir à quel point vous avez bien décoré le port. Merci, ce que vous dites nous touche beaucoup. Émile et moi avons passé toute la journée à mettre tout en place pour demain. Où est Merlin? Il fait une sieste dans sa niche. Il s'est lassé de nous voir nous activer sans arrêt. Kiwi, va vite trouver Merlin. Bon, la pause est terminée. On a intérêt à se remettre au travail pour ne pas finir trop tard. Bonjour, Mousse. Tu ne sais pas où est Merlin? Demande Kiwi. Bonjour, Kiwi, répond Mousse. Si, je sais où il est. Il est caché sous sa couverture. J'espère que tu ne vas pas le réveiller. Si, c'est ce que je voulais faire. Pourquoi? Parce que pour une fois que tout est calme, je savoure. C'est l'heure de dîner, dit Merlin dans un aboiement tout endormi. Non, je veux juste savoir si tu as envie de jouer. Tu veux jouer à faire des trous dans les jardins? Oh non, pas à ça. Je n'ai pas le droit. On peut peut-être aller voir où en sont les préparatifs de la fête. D'accord, répond Kiwi toute contente. Très bien, je crois que le moment est venu de faire un essai, dit Monsieur Legrand. Pour moi, c'est d'accord, je suis prêt, répond Émile. Bon, mais faites attention, dit Monsieur Moreau, très inquiet. Oh là là, oh, pourvu que je n'ai pas trop le tourné. Waouh! Alors ça, c'est rudement chouette. C'est la vitesse normale, dit Monsieur Legrand. Mais si vous touchez au levier qui est ici, le manège tournera beaucoup plus vite. Non, surtout ne touchez pas au levier, s'il vous plaît. Merlin, attention! Oh! Oh! Tu n'es qu'un vilain chien. Un vilain chien maladroit. Prends exemple sur Kiwi, sois sage. Allez, retourne dans ta niche et reste tranquille. On a au moins eu la preuve que tout fonctionnait bien, dit Monsieur Legrand. Ça va, Hervé? Ça n'a pas été trop pénible? Oh, j'ai juste la tête qui tourne, c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive, le chien?
dit Mousse en gloussant. Je ne m'appelle pas le chien, mais Merlin, répond-il en se demandant pourquoi Mousse ne se souvient jamais de son nom. Toi, tu t'es encore fourré dans le pétrin. Ce n'était pas ma faute. Je voulais juste voir les préparatifs de la fête. Soudain, une idée traverse l'esprit de Merlin. Il pourrait utiliser son collier magique pour créer une fête exprès pour lui. Dès qu'il voit que Mousse ne le regarde plus, il ferme les yeux. Je veux qu'il existe une fête exprès pour moi, dit-il tout bas. Mais le collier n'exauce pas son vœu. Alors Merlin décide d'essayer autre chose. Il faut peut-être que je cours après ma queue. Je veux une fête pour moi, exprès pour moi. Je veux une fête pour moi, exprès pour moi. Oh, ça n'a pas marché non plus. Peut-être que mon collier est cassé. S'il y avait une fête pour moi, je pourrais monter sur tous les manèges et m'amuser avec Kiwi et tous mes amis. Oh, que ce serait chouette. Si seulement il y avait une fête exprès pour moi. Il suffit que Merlin prononce les mots magiques. Ça a marché. Il y a une fête pour moi. Bonjour, Kiwi. Ça te dit une partie de bowling? Oui, mais ça a l'air très difficile. Si tu fais tomber toutes les quilles, tu gagnes tout un chapelet de saucisses, dit Eric le hérisson. D'accord. Je vais tenter ma chance. Bravo! On a gagné! Oh, félicitations, tu es doué! J'adore ce genre de fête. Tous poliment Merlin. Nous aimerions faire un tour de manège, s'il te plaît. Eh bien, installez-vous, leur dit Mousse. C'est fantastique! Oh, j'ai un peu la tête qui tourne. Je vais refaire un tour, dit Merlin tout content. Très bien, cette fois je vais te regarder, répond Kiwi prudente. C'est bon, ça y est, je suis prêt. C'est quand tu veux. Oh, Mousse s'est encore endormi. Oh, ce n'est pas grave, ronronne Oscar. Je sais comment faire tourner un manège. Laisse-moi faire. Maintenant, c'est à moi de m'amuser un peu, se dit Oscar. Merlin n'a pas l'air de tourner rond, c'est curieux, dit Oscar en riant dans sa moustache. J'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien. Je n'ai plus envie d'être à la fête, c'est fini. Oh, si seulement j'étais de retour au flot bleu. Oh, pouh, j'ai eu chaud. Hurle Merlin. Laissez-moi, ça ne va pas recommencer. J'en ai assez. Mais arrête de ronchonner, gros bêta. Ce n'est qu'un journal.